Whoa! Je pense que je flatte en avant. Je vais avoir un leak dans mon tubeless. Oh non! Faut là, je redescends au char. Fuck. J'espère beaucoup d'air là-dedans. Pour la fun. .9 PSI. LOL. Parce qu'on va réparer ça. Hey, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est le 22 mai, on est à Empire 47 pour l'ouverture des trails. On est au sommet, ici, un des trois sommets que j'oublie le nom. Avec une petite vue là-bas à la mémoire de Steve Smith. Alors, on va commencer par se faire une petite Nanaimo et une Super S. Au meilleur de mes connaissances. Et avant d'aller plus loin, très important, on va aller acheter notre passe. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Placement de produit. Acheter Cliff. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais. C'est trop pour moi. Bon. Alors. Première vraie descente de la journée. Hey boy. Avec de l'air dans le pneu avant. Oh, ça va bien. J'ai quand même fait une Kamasutra avec 6.9 PSI en avant, c'était comme... C'était mou. Hop! J'ai peut-être un petit peu trop d'air, mais au moins, il ne suis pas sur le flat. Ah, wow! Frère! Drop. Oh, que c'est le fun. Encore des bouts. Merci à mon nouveau chainring ovale de m'aider à monter ses côtes. Tu sautes dans une côte avec un 4-5 coups de pédale. Tu vois clairement une différence. Oh. Pas majeur. Mais tu sais, si tu connais ton bike, tu ne peux pas ne pas voir la différence. Alors, la Super S avec un petit peu trop d'air en avant, but c'est mieux que 6.9 PSI. Oh, c'est ravagé un peu. Ah, wow! Bouette! Ouh! Sinon, parle de ça, vous autres, comment ça va? Vous avez un beau début de saison? Ouais, c'est vraiment cool. Ouverture de Empire 47 aujourd'hui. On va avoir senti du moulin puis les bras du Nord qui va suivre bientôt. Voyons. Oh, j'ai rattrapé quelqu'un. J'étais 5 minutes en haut. Fuck. Tu vas me scraper mon temps, Strava. Oh. Ouais, fait un petit peu trop d'air en avant. Et dans la fourche. Et dans la panneur. Ouais. Non, pas une bonne ligne. Et regardez sur la gauche. On arrive à l'accueil. Ouais, c'est une des fins de cool. Alors, une des fins de piste vraiment cool, regardez.
La déficite, hop! Je vais faire cette piste pour enfants. Rar! God damn, Seth, god damn. Allô? Voisine fermée. Oh non, c'est elle que je voulais faire. Ok. Fait que ça me laisse la VG et la Valkyrie. Alors, écoutez, j'aime bien la VG. Et j'aime bien la Valkyrie. Mission pas facile. Ah, voilà. Alors, la VG, que je me rappelle pas pantoute, puis à date, je suis pas dans la ligne. Je suis rarement dans la ligne. Je veux dire, il faut vraiment que je travaille mes lignes, je le sais. C'est mon gros challenge de cet été. Hop. Oh, il y a de la végétation. Ah, là, le bike file bien. Oh my god. Frère. Petite petite boîte. Oh, ce virage-là était refait, je pense. Il est moins pire qu'avant. À moins que ce soit pas le même virage. Là. Ça. Ça ici. Ah. Hey, je me rappelle pas. Ok, ouais, ça drop. Fais ça pour vrai, guys. J'ai tellement hâte d'essayer mon nouveau bike. Alors. Le Capra file très bien. J'ai peut-être un petit peu trop de rebond en fourche en avant. Mais en dehors de ça. Hop. Ah. Ben, savez-vous quoi? Ça va être la fin. Ça va être la fin parce qu'on en a quand même fait 3. Et le body est fatigué. Et ce ne serait pas le temps de se planter en début d'année. Vraiment pas. Première fois que je fais de la vraie, disons vraie trail. Ça fait à peu près un mois que je roule. Mais tu sais, malgré la pandémie, il y avait beaucoup de neige cette année, même si le printemps a commencé très tôt. Et voilà, première journée de Empire 47 terminée. Je viens tout juste d'acheter ma passe. Une manuelle sac, hein? Ah, c'est vrai, je suis pas parqué ici. Ah, tabarnak, faut que je monte plus haut. Fuck. Anyway. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à donner un petit like. Je vous invite à vous abonner. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Bonne saison, guys! Yes! En train de monter dans un petit chemin secret. Et juste ici,
ça roche là, là, une petite ligne là, c'est ceux qui ne savent pas là, tu vois sur le dessus ici, là. Il y a une ligne de cachet là, chut. Peut-être que ça sera une traie un jour, chut. Oh, une planche de bois pour faire comme une ligne de vélo, oh, ouh, ça, ça va faire mal, that's pretty cool, c'est fun qu'il y ait une traîne ici, guys.